Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce 3 septembre. Imaginez-vous déjà le 3 septembre 2020, 8h30, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal, mais on va passer à travers. Pendant ce temps-là, j'ai reçu un article des plus intéressants qui nous vient de Futura Planet, qui est envoyé par Salvatore, que je remercie puis que je vous partage tout de suite. Un arbre pétrifié depuis 10 millions d'années raconte une autre histoire du climat passé. La découverte d'un impressionnant tronc fossilisé dans le sol froid et sec du Pérou, ainsi que d'autres échantillons de feuilles et de pollen, raconte les chamboulements rapides qu'a connu la région il y a 10 millions d'années. Lors d'une expédition scientifique dans le plateau des Andes au Pérou, un groupe de scientifiques est tombé sur un fossile inattendu. À quelques centimètres sous le sol froid, un énorme tronc d'arbre fossilisé. Cet arbre et les autres échantillons paléobiologiques récoltés lors de cette expédition témoignent d'un changement ou du changement radical de climat qu'ont connu les Andes il y a 10 millions d'années. Les détails sont exposés dans Science Advances ou dans Science Advances. Un des scientifiques de l'expédition allongé à côté du tronc fossilisé, Carlos, ici qu'on voit, Jaramillo. Un exemple de feuille fossilisée trouvée au Pérou datant du Paléocène. L'arbre fossilisé a été retrouvé sur le plateau central péruvien à plus de 4000 mètres d'altitude. Pourtant, le bois pétrifié montre des structures anatomiques comparables à celles d'arbres qui poussent à des altitudes moins élevées, autour de 2000 mètres d'altitude. Son âge est estimé à environ 10 millions d'années, ce qui correspond à la fin du Miocène moyen. En comparaison, les échantillons de pollen et de feuilles collectées ne semblent pas appartenir aux mêmes écosystèmes. En effet, les pollens semblent plutôt provenir d'herbes et de plantes de pâturage plutôt que d'arbres. Les échantillons de feuilles sont plutôt issus de fougères, d'herbes et d'arbustes. Ces arbres et ces plantes, plutôt, sont toutes caractéristiques de la puna, un écosystème typique du haut plateau des Andes en Amérique du Sud. Le climat y est froid et très sec. Très peu d'arbres y poussent. La végétation est principalement constituée d'arbustes et de buissons. Les échantillons fossiles ont été datés à environ 5 millions d'années, ce qui correspond au début du Pliocène. Comment est-on passé d'une forêt de basse altitude durant le Miocène à la Puna en un temps relativement court à l'échelle de la planète? Les échantillons fossiles dans la région nous racontent deux choses, explique Carlos Jaramillo, scientifique du Smithsonian Tropical Research Institute du Panama et chef de cette expédition scientifique. L'altitude et la végétation ont changé drastiquement durant une période de temps relativement courte, renforçant l'hypothèse qui suggère que le soulèvement tectonique de la région s'est fait sous la forme de sursauts rapides. Vraiment intéressant, je vous laisse le lien dans la boîte de description.